Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Devil May Cry sur PC, ici saison 54. Et on va commencer la cinquième mission pour aujourd'hui, Virility. On va commencer, puis avant toute chose, nous avons trois améliorations. Direction le magasin pour d'autres améliorations. Voyons voir pour Ebony Ivory, ça faisait longtemps que nous n'avons pas fait d'amélioration. Déluge, bien ricochet. Non. Je pense que je vais utiliser une pour déluge. Voilà. Voilà. Puis on va retourner vers l'arbitre. On va lui donner jugement niveau 2. Alors, quoi d'autre? Il ne nous reste plus qu'une autre amélioration. On va y voir. Pour la capacité. Esquive démoniaque. Bon. Coup de poing. Peut-être. Je pense que je vais prendre esquive angélique, non? Ouh, ça m'a l'air d'être très... très intéressante. Donc je vais prendre l'esquive angélique, puis voilà. Sans tarder de plus, allez, on va commencer la nouvelle mission. Et c'est parti, et j'espère que vous allez très bien. C'est très important de demander si vous allez très bien. La suite. Je suis venue ici quand j'étais petite. J'avais pu tout explorer sans me faire remarquer. J'ai senti un démon sous l'usine. Très ancien. La succube. On pense que c'est elle, la source de l'ingrédient psychotrope qu'ils utilisent pour nous contrôler. Bienvenue dans l'usine de Virility. C'est l'ingrédient secret de Virility qui en fait la boisson préférée du monde entier. De plus, les tests scientifiques ont prouvé qu'une consommation quotidienne améliore de 21% la perte de poids et de 63% les performances. T'entends ça? Comment les gens peuvent gober ces conneries? Si on te répète quelque chose assez longtemps, tu finis par le croire. On me disait que j'étais folle de voir des démons. Ouais. Moi aussi, ils m'ont fait passer pour un cinglé. Ils voulaient me mettre sous traitement. Soi-disant pour me guérir. Tu parles. C'était pour que je reste faible. Et docile. Comment tu t'en es sortie? Vergil m'a tiré de mes cauchemars. Et toi? Quand les gens en qui on est censé avoir confiance se révèlent être d'atroces démons, les masques tombent et le mal apparaît partout. Je n'ai pas plié. J'ai riposté, tué, quelles que soient les conséquences. J'ai choisi ma route et tracé tout droit. Après tant de colère, de violence et de mort, il faut scruter son âme, sonder son cœur. Pour savoir si on est lucide, pour savoir si on est encore humain. Je savais au fond de moi que j'étais pas cinglé. Mesdames et messieurs, voici l'endroit où sont mélangés les ingrédients magiques qui donneront le goût inimitable de Virility. La succube est dissimulée au cœur de l'usine, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de l'atteindre depuis notre monde. Il faudra passer par les limbes. Il y a une faille à l'intérieur. Croyez bien que tout a été contrôlé et approuvé par les scientifiques les plus compétents et les plus intègres. Virility est un vrai trésor national. Tu parles. Un petit passage noir-blanc un petit peu. J'espère que cette mission va être assez intéressante. Ouais, mais c'était pendant un voyage astral, il y a des années de ça. Tu volais sous forme d'esprit? Ouais, dans les limbes. D'après Vergil, c'est un formidable outil d'espionnage, mais je peux pas le faire à volonté. Alors, comment tu t'y étais pris? C'était déclenché par des psychotraumatismes extrêmes. Les cauchemars. C'est quoi ça, ces cauchemars? C'est du passé maintenant. Je dirais bien que dans ce monde, nous n'avons pas d'armes ni rien.
on ne peut que suivre la demoiselle. Et comme je disais, que j'espère que ce niveau va être assez intéressant. Mais au final, j'ai l'impression que ça va être un petit peu long, peut-être, je sais pas. C'est ici qu'ils stockent la marchandise avant de l'exporter. C'est bizarre. Quoi? Je pensais que ce serait plus grand. Ça m'étonne. Enfin, j'étais dans les limbes, c'est peut-être différent. Et puis j'étais une gamine. Qu'est-ce que tu faisais? Je fuyais mes cauchemars. T'es venue dans les limbes pour fuir tes cauchemars? Ouais. On n'y comprend rien. Et surtout que les limbes, ce sont les cauchemars. Mais bon. On apprend petit à petit sur son passé. Une fois dans les limbes, tu n'auras qu'à revenir sur tes pas pour arriver à la salle des mélanges. Ça devrait pas être trop dur. Peut-être. Mais les démons pourraient sentir ta présence dans les limbes. Alors sois prudent. Et une fois dans la salle des mélanges? De là, tu pourras descendre au niveau inférieur de l'usine. Et me faire une succube. Possible. On va se régaler avec la succube. On va avoir un plaisir malsain à la tuer. Ok, c'est là. À la tuer ou le tuer? Parfait. Je sais pas. On se retrouve de l'autre côté. Et on commence. Tu es en bas. Ah, bien. T'as raison. Dans les limbes, c'est beaucoup plus grand. Et maintenant? Repars à la salle des mélanges. Je t'y rejoindrai. Obésité, stupidité, buvez virility. Donc voilà, on est dans les limbes. Il faut maintenant grimper. Il me semble bien qu'on aura pas mal de phases, de plateformes ici. Et je sens qu'il y aura pas mal de secrets ici. Voyons voir. Est-ce qu'on pourrait y arriver? Est-ce qu'on pourrait y arriver? Certainement. Peut-être. Voyons voir. Allez, il faut monter. Et puis, quoi d'autre? Est-ce qu'il faut sauter par là-bas? J'ai l'impression que j'ai fait fausse route. Wow, j'ai fait fausse route, ok. Il me semble bien qu'il faut y aller sur un certain... Une certaine route, il me semble bien. Est-ce que c'est par là? Allez, viens par là. Ouh, j'ai failli tomber. Faut faire attention ici. Parce qu'il me semble bien qu'on pourrait se faire décrocher à n'importe quel moment. Voilà. C'est assez... Comment dire? Difficile de distinguer où il faut y aller. Voilà. Ah, il y a des ennemis. Il y a un combo destructeur. Ouh, oh, attention. Voilà. Je sais pas comment je me suis fait prendre comme ça. Mais de toute façon, ça nous arrange. Je sais pas s'il faut y aller par là-bas ou quelque part d'autre. Je vais tenter ma chance par ici. Ouh.
bien j'ai loupé quelque chose. Ah oui, en bas. Voilà. Apparemment, il n'y a que des araignées. Et bon, de toute façon, il y a cette tonneau à prendre. C'est toujours aussi bien de prendre assez d'orbes rouges avec nous. Ça peut toujours nous servir. Puis voilà, il me semble que c'est le bon chemin. Oh, j'y étais presque. Je sais pas pourquoi la caméra plante un petit peu ici. Je trouve que c'est bizarre. Voilà, nous y sommes. Mais bien sûr, il y aura d'autres ennemis et un nouveau chevalier infernal. Hey, pourriez m'indiquer la salle des mélanges? Oh! Voilà, il faut détruire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Voilà. Allez. Ha! Et de plus en plus qu'il arrive. Voilà, un peu de vitalité, ça ne ferait pas de mal. Allez, faut faire attention. Wow. Wow. Allez, viens par là. Et c'est raté. Wow, faut faire attention, il est enragé. Viens par là. Wow, c'était pas prévu ça. Ouh, raté. Wow. Il est enragé, il peut rien faire. Faut attendre. Ouh. Faut attendre que ça rage. Ouh. Allez, viens par là. Ouh. Excellent. Il me semble bien que l'épée n'est pas assez efficace contre lui. Prochaine fois, je vais essayer d'utiliser la hache. Il me semble bien que la hache soit... Ah, pardon, soit adéquate aux ennemis de poids laurier inclus. Il semble bien qu'on peut l'atteindre par ici. Et oui, faut toujours surveiller les environnements. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc voilà, une clé de moi. Voilà. Me semble bien qu'il y a quelque chose quelque part ici. Peut-être que c'est juste mon imagination. Je vais aller... Attendez. Il me semble bien que j'ai l'impression... Oh, voilà, regarde, de l'autre côté, il y a une âme errante. Voilà. J'avais raison. Et quoi d'autre? Ouh, il y a une âme errante là-bas, si vous voyez. Est-ce qu'on peut descendre par là? Voilà.
Mais la question reste, comment l'atteindre? Voilà. Ah ben dis donc. Voilà. Nous y sommes. Puis voilà. Et notre âme libérée. Voilà. Allez, on va remonter. Il faut refaire tout le chemin malheureusement. Et j'espère que vous allez patienter avec moi parce que c'est très essentiel pour moi que je récupère assez d'âmes. Ça va affecter notre score final de la mission. Afin, si on veut vraiment avoir, avoir un très bon score. Puis voilà, nous sommes revenus là où nous étions. Allez, par la suite. Et ce que je trouve bien dans le jeu, c'est que l'environnement est très détaillé, regardez-moi. Tout est dynamique. J'adore, franchement. Voilà, de temps en temps, j'aurai des latences un petit peu bizarres. Voyez voir, pour les objets, combien on peut acheter, par exemple ici. Croix de Sainte augmente de, la vie de Dante de 10%. Pour le moment, j'en ai vraiment pas besoin. Je trouverai le temps de faire l'émission secrète des autres niveaux quand j'aurai vraiment besoin de faire des améliorations. Mais bon, pour le moment, il semble bien qu'on est assez bien là. Voyons voir, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Voilà. Ah ah! C'était un petit peu caché là. Mais bon, il y a une porte. Mission secrète, mais bon, pas vraiment secrète puisqu'il faut juste chercher la clé. Puis tout à coup l'environnement a changé. Allez, faut continuer à monter. Espérons bien que je vais rien louper parce que je trouverais vraiment très dommage que je passe quelque chose de vraiment de près alors que c'était à deux doigts. En même temps, voilà, il espérait vraiment m'avoir. Une âme, voilà, ça fait 3 âmes en une seule mission. Voilà, faut faire attention avec cette phase de plateforme parce qu'on peut faut faire attention parce qu'on peut tomber à tout moment. Voilà, il me semble bien qu'on peut monter par là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non. Si vous voyez cette lumière là-bas, on ne peut pas l'ouvrir parce que nous n'avons pas encore l'arme adéquate pour... Et vous allez voir de quoi je parle après. Donc, attendez, je vais fouiller un petit peu les environnements parce que je trouve que c'est un petit peu suspicieux. Astuce avancée, perche. Le mode démoniaque immunise Dante contre l'enfer tellurique des chevaliers infernaux. Allez. Il est où? Attention. Descends. Allez, on va te... Quel coup de grâce. C'était assez sympa et assez facile en même temps, mais bon, faut toujours se méfier. Attendez. Il y a une âme là-bas. Est-ce que mes yeux ne me déçoivent pas? Voilà. Libéré. Je pense bien que ça va nous permettre d'avoir une amélioration assez tôt. Avant que je continue, attendez, il me semble qu'il y a un autre passage. Oui, voilà. J'espère qu'on ne va pas être déçus.
Des orbes rouges. On peut pas atteindre ça pour le moment. Ouh, j'ai bien fait de monter parce que j'avais raison qu'il y avait une voie. Donc voilà, il me semble bien qu'on peut continuer sans tarder. Allez. Il me semble bien que la mission n'est pas assez longue, mais elle peut être assez longue si on peut, ou bien si on veut vraiment explorer tout le niveau, parce qu'il me semble bien qu'il y a pas mal de passages secrets et de plateformes qu'il faut atteindre. Mais bon, allez. Un petit peu de mêlée. Raté. Raté. Oh, voilà. Pour un moment, j'ai cru. Raté. Allez, viens par là. Raté. Viens par là. Attention, astuce avancée, tirailleur. Beaucoup d'ennemis ont des attaques qui affecteront des autres ennemis. À tenter de s'en servir, de prouver. Mais bon. Faire attention. Raté. Allez, viens par là. Excellent. Fuck you, Dante. Excellent. Je pense bien que je les ai détruits tous. Et avec une aussi bonne musique hardcore, je pense que tout. Écoutez, que tout le jeu devient vraiment hardcore. Puis voilà. Il semble bien qu'il faut. Est-ce qu'il faut y aller par là? J'ai l'impression que je devrais y aller par là. Voilà. J'ai une amélioration, mais pour le moment, je vais pas m'en servir. Je vais continuer par ce chemin. En espérant trouver quelque chose de très intéressant. Attendez, je pense bien que j'ai quelques problèmes, quelques ralentissements, je ne sais pas si vous la sentez. Ok. Attendez. Voilà, détruit. J'ai dit que j'ai quelques ralentissements, il me semble bien qu'encore une fois, j'ai quelques difficultés techniques et je m'excuse. Je vais essayer de régler ça, il me semble bien, peut-être que c'est une mise à jour de Windows, je ne sais pas, qu'il faut y aller par là. Il me semble bien qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir grâce à l'Osiris et je commence à voir... Je vais avoir besoin un peu de vitalité. Mais parlons de vitalité, on trouve une étoile de vitalité. Ça nous arrange. Du moins que ça va nous servir. C'est fermé par là. Eh oui, bien sûr. Où est cette putain de salle des mélanges? Il me semble bien que c'est par là.
Voilà. Voyons voir. Est-ce que c'est par là? Oh oh. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Ah. Wow. Détruit. Au moment donné, il m'a flippé un petit peu. Il me semblait que j'ai la clé de cette porte, mais bon, elle m'intéresse pas pour le moment. Elle m'intéresse pas du tout. C'est bon. Détruit, il n'y a rien ici. Donc on va continuer par là. Ce que je trouve bien, que la diversité des ennemis est assez excellente, je trouve. Donc est-ce qu'on va opter pour une capacité? Je vais enlever l'esquive angélique, il me semble bien que... Attendez, est-ce que l'esquive angélique va être un petit peu... Non. Je vais les garder pour le moment. Je vais les mettre pour le Rebellion. Onde de choc. Voilà. Et onde de choc niveau 2. Voilà. Ça va nous être un petit peu utile peut-être plus tard. Pour déstabiliser un petit peu les ennemis. Attendez. Je ne la maîtrise pas encore une fois. Attendez. Je ne la maîtrise pas encore. Il me semble bien que je vais la retirer. Ou bien peut-être pas. Je vais laisser ça pour après. Je verrai ça. Allez. Pardon. C'est dégueulasse. Ce que les gens ne peuvent pas voir de l'autre côté du monde. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le délire? Le processus de mélange. Mais c'est la source qui nous intéresse. J'imagine que notre succube est à l'autre bout. Tout à fait. Par ici. Des zombies. Laisse-moi une minute. Be careful. Ouh, faut faire attention à ne pas se faire. Ouh. Descends ici. Faire attention parce que l'acide ici vous en met vraiment. Ouh. Attention, ça va chauffer. Détruit. À la fête. Wow.
attention. Qui va venir en premier? Ouh, faire attention. Où est l'autre? Ouh. Allez, on va te détruire. Ouh. Allez, descends. Félicitations, tu gagnes. Allez, il me semble bien que c'est la hache qui est plus efficace contre eux. Il me semble bien que j'ai vu quelques tonneaux quelque part. Les voilà. Je vais le prendre ainsi, augmente un petit peu ma vitalité. Voilà. C'est mieux que rien. Un peu de vitalité, c'est toujours le bienvenu. Dante, ça va? Ça avait l'air méchant. Ça? Non, c'était juste un gros taf. Allez, viens, on va se la faire cette succube. On va se la faire, je ne sais pas si c'est un lui ou bien elle. Bien il ou bien elle. Ok. Mais de toute façon, elle va goûter à la lame de Dante. Et puis voilà la fin de la mission. Mission terminée. Un style de double S. Un temps de S. Voilà, c'est déjà bien. Nous avons fait pas mal d'achèvements. Donc j'espère que ça va nous amener pas mal de points et d'améliorations. Ouh, ça nous a amené 3 améliorations. Qui va y croire? Et puis voilà, je pense bien que je vais m'arrêter là et je vais vous revoir dans le prochain ou bien dans la prochaine mission. Sur cela, je vais vous dire au revoir et à bientôt et portez-vous bien. À la prochaine.